Alors que le duc et la duchesse de Cambridge poursuivent leur visite au Pakistan, Meghan Markle et le prince Harry se sont octroyés une petite sortie officielle ce mardi 15 octobre à l'occasion de la soirée des Welsh Youth Awards, et ce fut l'occasion pour la duchesse de Sussex de rendre un hommage romantique à son époux. À peine rentrés de leur premier Royal Tour en famille, avec leur petit Archie, qui les a notamment vus parcourir l'Afrique du Sud, que Meghan Markle et le prince Harry sont déjà de sortie. Si les Cambridge brillent actuellement à l'occasion de leur visite officielle au Pakistan, les Sussex n'ont rien à leur envier tant ils ont illuminé cette soirée londonienne. Ce mardi 15 octobre, à l'occasion des Welsh Youth Awards, un événement dont Harry est président depuis 2007, Meghan Markle et son époux ont débordé d'allure. Arrivés main dans la main, se dévorant du regard, le duc et la duchesse de Sussex ont affiché tout leur amour et toute leur complicité lors de leur arrivée à la cérémonie londonienne qui célèbre et récompense les qualités inspirantes de jeunes Anglais gravement malades. Et pour cette soirée glamour doublée d'un événement de bienfaisance, si le prince Harry arborait un costume extrêmement saillant rehaussé d'une cravate bleu ciel du meilleur effet, Meghan Markle avait fait très fort en rendant hommage à son prince. La duchesse de Sussex avait en effet décidé de porter la fameuse robe verte PA.R. Au point SH qu'elle avait mise lors de ses fiançailles avec Harry en novembre 2017. Un joli clin d'œil de la jeune femme de 38 ans, extrêmement romantique, qui n'aura pu que toucher son séduisant mari, qu'elle a d'ailleurs regardé avec admiration lors des présentations officielles. Meghan avait assorti sa tenue avec un manteau camel santalé, qu'elle avait déjà porté lors de son premier Noël à Sandringham, un sac en écailles de tortue et des souliers bruns Manolo Blahnik. Si cette soirée était consacrée aux enfants et à leurs talents, les Sussex ont d'ailleurs chaleureusement salué tous les lauréats, et au dévouement de ceux qui les aident au quotidien, Harry et Meghan sont eux aussi repartis avec quelques cadeaux pour leur bébé Archie, notamment des peluches, un ballon emoji, et un adorable baby gros.